Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Mickaël, je suis formateur chez GRP. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème essentiel et très important, la plaque de charge des chariots automoteurs, où beaucoup de stagiaires ont du mal. Alors la plaque de charge est un élément obligatoire sur tous les appareils de levage, dont les chariots élévateurs. Visible depuis le poste de conduite, la plaque de charge indique le poids à ne pas dépasser pour soulever une charge en sécurité. Donc savoir lire une plaque de charge est essentiel. Elle permet de vous assurer le transport de votre charge en toute sécurité et éviter le basculement. Attention, la plaque de charge vous présente les données pour les charges homogènes et uniformément réparties. Alors, comment lire une plaque de charge? Les plaques de charge peuvent être présentées de différentes façons, selon le fabricant, l'année ou même le type d'engin, et seront plus ou moins fournies en information. Quoi qu'il en soit, toutes les plaques de charge nous apporteront toujours un minimum de 4 informations. Première information, la distance. La distance D, exprimée en millimètres, et la distance comprise entre le centre de gravité de votre charge et le talon des fourches, ou plus simplement, le point sur lequel se situe le centre de gravité de votre charge. Pour une charge homogène et uniformément répartie, le centre de gravité se trouvera toujours à la moitié de la longueur de votre charge. Pour une charge d'une palette de 1000 mm, soit 1 mètre, la distance D sera de 500 mm. Attention aux conversions. Pour rappel, 1 mètre, c'est 100 cm ou 1000 mm. Deuxième information, la charge nominale. Donc la charge nominale ou capacité nominale, c'est le poids maximum que vous pouvez soulever avec votre chariot. Elle est toujours exprimée en kilogrammes. Elle peut être différente de la capacité effective si votre chariot a eu un rajout d'accessoires. Troisième information, la charge effective. La charge effective représente le poids de la charge que vous souhaitez lever. Et enfin, quatrième et dernière information, la hauteur. La hauteur de levée exprimée en mètres ou en millimètres. Ces quatre informations vous permettront à n'importe quel moment et avec n'importe quelle forme de plaque de charge de déterminer si votre chariot est capable de soulever la charge. Et si oui, jusqu'à quelle hauteur. Et encore une fois, attention aux conversions. Bon, c'est bien beau tout ça, mais je pense que j'en ai perdu plus d'un. Donc allons décrypter ensemble une plaque de charge. La plaque de charge se décompose en trois parties. 1. La carte d'identité du chariot. 2. Les courbes de charge. Et 3. La plaque de tare. Commençons par la carte d'identité du chariot. Première symbolisation, NF, elle vous donne les informations sur la nature du chariot élévateur. La première lettre nous donne le type de chariot. Dans notre cas ici, le F nous indique qu'il s'agit d'un chariot frontal en porte-à-faux. 1250 représente la capacité nominale, 1200 kg à 500 mm du talon des fourches. Le E nous précise le type de motorisation, ici électrique. Et le B, la nature des pneumatiques, ici des bandages. Nous retrouvons ensuite la capacité nominale du chariot, soit le poids maximum que vous pouvez soulever avec votre chariot pour un centre de gravité et une hauteur de levée. Avec la carte d'identité du chariot, on a déjà retrouvé trois de nos éléments essentiels. La distance D, donc 500 mm, le centre de gravité, la capacité nominale, 1200 kg, ainsi que la hauteur de levée, 3,30 m. Deuxième partie, les courbes de charge. C'est dans cette partie que vous allez devoir retrouver le poids de votre charge pour assurer une manutention en sécurité. Notre chariot vous offre deux possibilités, la manutention d'une charge à mât verticale ou inclinée en avant. On y retrouve également des hauteurs de levée. Ici, une nouvelle fois, deux possibilités. La courbe 1 pour une hauteur de levée jusqu'à 3,30 m et la courbe 2 pour une hauteur de levée jusqu'à 5,40 m. On retrouve bien ces deux courbes à noter selon la position du mât, verticale ou inclinée vers l'avant. On indique également la distance D, donc ici 500, correspond à une palette de 1000 mm que l'on divise par 2 pour trouver son centre de gravité. 600 pour une palette de 1200 mm et 700 pour une palette de 1400 mm. Les courbes de charge vont également vous indiquer les capacités d'utilisation, soit le poids maximum que vous pourrez soulever selon une hauteur de levage, un centre de gravité et la position du mât. Ce sont ces données qu'il vous faudra mettre en relation avec votre charge. Et si on passait sur un exemple, ce sera peut-être plus parlant. Donc nous devons gerber une charge mesurant 1,20 m de côté à une hauteur de 3,30 m avec le mât vertical. Quel est le poids maximum de cette charge? Donc pas de panique, c'est plus simple qu'il n'y paraît. On nous dit que la charge mesure 1,20 m, soit 1200 mm, une fois converti en millimètres. On va alors devoir diviser par 2 pour trouver notre distance D, soit le centre de gravité de notre charge, ici 600 mm. On nous précise que le mât est vertical et que la hauteur de levée souhaitée est de 3,30 m, soit la courbe 1. On a maintenant tous les éléments pour retrouver le poids maximum. Il ne nous reste plus qu'à faire le lien entre la distance D de 600 mm avec notre mât vertical et la courbe 1 correspondant à notre hauteur de levée de 3,30 m. Le poids maximum de la charge est donc de 1150 kg. Si le poids de votre charge
la hauteur de levée ou bien même le centre de gravité se trouve entre deux informations, privilégiez toujours le centre de gravité le plus haut. Donc si vous tombez dans une situation où votre centre de gravité se trouve entre deux points, choisissez toujours le centre de gravité le plus haut. Quoi qu'il en soit, respectez toujours les données constructeurs. Enfin, la plaque de tare, donc elle nous indique le poids total de notre chariot à vide. Donc sans batterie, il pèsera 2850 kg et la masse minimale de la batterie devra être de 680 kg. Maintenant que vous savez lire une plaque de charge, j'ai une petite question pour vous. À quelle hauteur maximum peut-on lever une charge qui pèse 1000 kg et qui mesure 1 mètre de côté avec le mât incliné vers l'avant? J'attends vos réponses en commentaire. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter et partager surtout la vidéo. En attendant, retrouvez tous nos tutoriels sur notre chaîne YouTube ou sur notre site www.grpformation.com. Restez à l'affût de nos prochaines vidéos en vous abonnant et activant la petite cloche. En attendant, à vos cassettes.